les amis, je vous invite à me suivre sur mon Twitter, aussi également de me suivre sur Facebook, j'ai deux pages, à me suivre sur mon Skype et également à vous abonner. Et maintenant, je vous souhaite une bonne vidéo, les amis. Salut les amis, on se retrouve pour une petite vidéo sur FIFA 15 Ultimate Team pour un petit tuto ou une petite info. Donc voilà, je l'avais déjà fait l'année passée sur FIFA 14 et ce sera comment se faire des crédits avec les logos maillot.fifa. Donc stade. Donc voilà, donc on va voir ça tout de suite. Donc au début de FIFA, les maillots, les stades, les championnats, ça coûte super cher, surtout les exécutions. Donc voilà, ça vaut super cher. Donc voilà, donc ici vous voyez, je vous fais défiler à peu près tout. Voilà, donc ça se fait, on se fait énormément de crédits comme ça. Donc moi, ce que je vous conseille, les amis, c'est de vendre tout ça maintenant et garder des exécutions assez stylées mais qui coûtent pas cher. Donc voilà. Et après, si vous voulez, vous les rachetez quelques temps après. On voit Old Trafford, 1000 crédits. Donc il y a aussi les ballons qui peuvent se vendre. L'Adidas Brazuca, ça peut se vendre. Ça peut se vendre. Ça, je me rappelle que l'année passée, ça se vendait. Il était argent, faut voir. Donc voilà, donc moi je mets en vente. Donc celui-là, vous voyez, il est beau le maillot. Les beaux maillots, ils passent aussi. Donc le maillot là, sur le jugement, je le trouve beau. Donc voilà, je l'ai mis. Donc voilà. Donc pourquoi pas la Côte d'Ivoire. Même si je ne pense pas. Donc les beaux maillots, les beaux logos et tout. Donc là, vous voyez, ça se vend pas, mais il suffit de relister. Il suffit de relister, ça partira. Ça partira logiquement. Donc voilà. Donc je vais aller vous montrer à peu près comment il faut faire. Donc il vous suffit d'aller dans mon club. Voilà mon club. Vous allez vous allez dans, hop là, là. Vous faites allez, recherche non, recherche élément club, écusson, voilà. Et vous avez des écussons. Donc voilà, des écussons assez stylés. L'équipe de France, ça va se vendre. On le met en vente à 150. La Juventus, il y a beaucoup de supporters de la Juventus, ça se vend, on le met. Pareil pour Porto, on le met. Donc voilà, donc des exécutions comme ça. Là, après, des exécutions assez beaux. Donc celui-là, il est assez stylé. Il est assez stylé. Donc voilà. Donc vous vendez ces exécutions. Après, les maillots. Les maillots, c'est pareil. Celui-là, il est super beau. Et en plus, c'est Manchester City. Donc pareil, on le met en vente. Ça va avoir des crédits. À coup sûr. À coup sûr, les gars. Ici, c'est un maillot super beau aussi. Et c'est le maillot de l'Argentine. Ça va se vendre. Les gars, tous les maillots se vendent, les gars. Tous les maillots au début de ce fut se vendent. Donc c'est ça qui est bien. Ici, il ressemble étrangement au maillot de l'année passée du BVB. Donc voilà, donc les gars, faites attention. Ne vendez pas ça. Ça vaut des crédits. Ça vaut vraiment des crédits, tout ça. C'est de garder un maillot qui est plutôt stylé. Donc voilà. Hop 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 hop. Donc celui-là, il est pas mal. Il est pas mal. Le Sporting, on le met en vente. Donc voilà, donc les gars, donc là je vais vous faire gagner beaucoup de crédits. Merde. Là je vais vous faire gagner beaucoup de crédits en faisant ça. Donc faites-le les gars, faites-le. Donc après les stades, voilà. La Dondas Arena, ça se vend. Ça va se vendre, à coup sûr ça va se vendre. Donc Santiago Bernabéu, encore plus ce stade. C'est le stade du Real. Donc voilà, donc Emirates Stadium, pareil, ça va se vendre les gars. Donc les stades où ce qui pleut pas aussi. Les stades où ce qui pleut pas, ça se vend. Donc je sais pas en fait s'il pleut pas encore dans ce stade là. Je vais quand même le mettre. Je sais que je l'ai vendu une fois ou deux. Donc voilà. Donc les gars, vous pouvez vous faire des crédits facilement. Très rapidement. Voilà, donc les beaux ballons, donc le ballon de la Coupe du Monde, il peut se vendre. Les autres ballons, ça va être un peu dur. Donc voilà. Donc, recherche de consommables. Il y a aussi ça. Attendez. Consommables, voilà. Donc il y a aussi les consommables. Hein. Donc les trucs de poste, ça se vend. MGAG, ça se vend. Les trucs comme ça, ça se vend. Hein. MOC, MC, ça se vend. MDC, MC, ça se vend. Après, la Ligue 1, elle se vend. L'Italie aussi. La D1 portugaise, pourquoi pas. Donc voilà les amis, donc tous les trucs là, ça se vend. Après les cartes formes, plus 30, ça se vend dans les 1000, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc les amis, faites attention avec vos logos et tout, vous pouvez vous faire facilement beaucoup de crédits en ce début de fut. Donc voilà, donc comme ça, vous êtes avertis. Ça se vend très très cher aussi.
Si vous avez des plus 10, toute aptitude, ça se vend très très cher. Parce que tout le monde a envie de mettre des trucs cheatés sur ses joueurs et tout. Donc voilà. Donc les amis, donc moi j'espère que cette vidéo info vous aura plu. Donc si elle vous a plu, ben, pétez-moi cette barre de like. Donc j'ai pris le temps de faire ça pour vous. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, donc je vais vous montrer encore une fois. Donc n'hésitez pas à les vendre. N'hésitez pas à les vendre. Ça vaut des crédits. Donc voilà, San Siro 550. Le maillot d'Arsenal à 650. Le maillot de 800, le maillot de Manchester United à 800. Donc voilà. Donc prenez aussi les grands clubs. Les grands clubs. Real, Manu, Arsenal, l'Espagne, le Barça, le PSG. Donc voilà. Les grands stades, le Camp Nou, la San Siro, Anfield, Old Trafford. Donc voilà. Faites attention. Prenez les grands clubs. Vous allez vous faire la blinde de crédit. Là, si on compte déjà, donc là ça fait plus de 2600, ça fait 4000 à peu près, 4008, 6000. Donc voilà, donc là on est déjà à 6000, les gars. On est déjà à 6000, 6500, 7500. 8000, donc voilà, là on a déjà 8000 crédits sur une page, quoi, pratiquement. Donc voilà, c'est 8000 crédits, c'est quand même bien au début de ce feed. Donc voilà, faites attention, vendez vos stades, vendez vos maillots et vendez vos logos et aussi les championnats. Donc je vais sortir cette vidéo le 25. On va devoir commencer déjà à vendre. Donc je vous conseille de vendre vos cartes non rares déjà maintenant. Donc voilà, donc les amis, moi pour ma part, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, vous savez comment me le rendre. Pétez-moi cette barre de like pour cette quand même petite info qui est selon moi très importante dans le début de FIFA Ultimate Team. Donc voilà les amis, c'était Captain34. Prenez soin de vous. À la fois prochaine. Bye bye bye. Et faites attention à vos crédits.